Le mois d'août touche bientôt à sa fin et avec lui l'été tout entier, mais il nous aura offert quand même quelques bonnes frayeurs avec The Conjuring 3. Mais ce n'est pas encore terminé, il nous reste encore à voir ce que vaut Don't Breathe 2, toujours porté par le formidable Stephen Lang et qui sort ce mercredi au cinéma. Alors, est-ce que cette suite vaut réellement le détour? Ou bien pouvez-vous vous contenter du premier? C'est la question à laquelle je vais essayer aujourd'hui de vous répondre dans cette critique. Quelques années après le premier film, nous retrouvons donc Norman, alias l'aveugle, l'ancien soldat qui avait défendu quasi à main nue et sans rien y voir sa maison d'un cambriolage de trois gangsters. Toujours vivant seul et éloigné de la ville, il a entre-temps recueilli une petite fille suite à un incendie dévastateur qui a détruit sa maison. La prenant comme une remplaçante de sa propre fille, il décide alors de l'élever tout seul, de lui apprendre le braille et d'en faire un petit soldat rapide et fort comme lui. Et il avait tout prévu, sauf peut-être l'arrivée d'un nouveau groupe de gangsters qui n'a qu'une seule chose en tête, en découdre avec lui. C'est cela, vous avez bien compris, on prend les mêmes et on recommence, ce qui s'était déjà passé dans le premier film. Sauf que là, il n'est pas là pour sauver son argent, mais bien une petite fille qui est devenue entre-temps sa protégée. Et si j'avais plutôt bien apprécié le premier film, qui était vraiment surprenant et spectaculaire, d'autant plus qu'il explorait un concept nouveau dans l'horreur, ou tout du moins rarement vu avec une telle intensité auparavant, eh bien je dois admettre qu'ici l'effet de surprise a disparu pour laisser place à un scénario quasi copier-coller qui avait déjà marché 5 ans plus tôt. Rassurez-vous, pour autant, les choses s'enchaînent toujours aussi rapidement, l'ambiance est plus maîtrisée que jamais et la photographie est encore plus au centre de cet épisode qu'auparavant. Attendez-vous donc à voir ici un Stephen Lang plus vivant que jamais, trouver des moyens toujours plus inventifs les uns que les autres pour se débarrasser de ses nouveaux amis. D'autant plus que le fait qu'il doit protéger la petite Phoenix ici rend son personnage encore plus intéressant, un peu plus humain, moins sombre et nous donne limite envie de s'attacher à lui. Derrière la caméra, cette fois-ci, on retrouve Rodo Sayagues, déjà à l'origine de l'écriture du premier film, qui nous offre ici quelques passages sublimés dans la maison par quelques bonnes idées de mise en scène, comme au début du film, ce long plan séquence qui permet d'introduire les cambrioleurs alors que Phoenix peine à trouver une cachette dans la maison. L'ambiance est donc bien au centre de ce nouvel opus et encore plus travailler afin de rendre le tout encore un peu plus immersif et réel, et d'autres idées du même genre vont être exploitées dans cette suite afin de créer encore plus de tension que le premier film. Mais malheureusement, et comme je vous l'ai dit précédemment, Don't Breathe 2 peine à se renouveler et il diffère très peu de son aîné. Si parfois il se distingue par quelques idées de jeu de lumière ou de mise en scène, ou bien par un Stephen Lang qui est toujours à fond dans le rôle principal, j'ai trouvé le tout quand même assez redondant, parfois même pas assez travaillé, comme le peu d'efforts mis sur les dialogues, ou bien encore un peu trop cheesy à l'image du gore, non nécessaire et parfois à outrance dans cette nouvelle recette. A vous de voir donc si vous souhaitez vous lancer dedans, mais pour moi c'est un non, beaucoup trop proche de la recette originale et du coup beaucoup moins fraîche que le premier opus auquel je ne m'attendais pas en 2016. Si vous avez donc déjà eu l'occasion d'aller voir le film, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et me dire si oui ou non vous avez trouvé cette suite utile et me dire d'après vous ce que vous auriez fait à la place du réalisateur pour une suite. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à me la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.